arrivée pour te réveiller. Elle était loin d'un dérive. Elle ne dormait pas. Ça fait rien, t'avais l'air tellement heureux. J'aurais pas voulu mettre fin au charme. Est-ce que t'es là à côté de moi? Si tu t'en vas, les nuages vont se mettre à broyer sans bon sang dans le ciel. Esther qui est redevenue aussi bleue que tes yeux. Pas question que je donne la moindre chance de se beurrer tout croche. C'était une belle journée hier. Même pas une petite note fausse. Quand t'as accepté d'être le parrain des jumelles de Léonie et Charles, que Victorine en a fait tout. C'était comme si le monde venait de changer d'un coup. Hein? C'était beau, votre réconciliation. Fallait peut-être que seulement que je me rende à l'évidence pour Victorienne. À cause de sa fragilité, j'ai jamais voulu voir qu'elle avait grandi comme tout le monde. Je me sentais comme le devoir de la protéger, même quand c'était pas nécessaire. En réalité, je faisais plus de tort que de bien. Il fallait d'abord qu'elle se rende compte de ses propres possibilités. Hein? Même un père bien intentionné peut pas le faire pour sa fille. Non, si de la part de Victorienne, il n'y avait pas un engouement qui tarabuse le corps pour les anges, là. Moi, je me sentirais parfaitement satisfait. Ouais, mais laisse le temps travailler dans ce sens-là. Il s'agit peut-être que d'un feu de paille. Si ma Victor a trouvé le moyen de plumer des innocents avec son sanctuaire, je doute fort qu'il était en chemin sans voix pigrasser le butin du pauvre monde. Oh, tu vois, là. Et même si je veux pas, la machine sûrement marche, toi. J'étais pourtant promis de pas me laisser border vers des affaires de même aujourd'hui. Non, mais dès que je vais me rendre compte que les nuages risquent de prendre toute la place du bleu du ciel, je vais te pincher assez fort. Faut que tu retombes pas sur le plancher des vaches. Ah, t'auras pas besoin, t'auras pas besoin. Et les nuages, il n'y en aura pas de toute la journée. Je vais te catcher tellement fort que même une bête sauvage qui entrerait ici dedans en chambre se retrouverait confondue jusqu'au fond de ma... Oh, c'est comme avant! Oh, c'est bon d'être là. Simplement là, l'un à côté de l'autre. T'as raison. T'es bon. T'es bon comme une poignée de bleuets qu'on mange en y faisant sauter dans sa main ouverte. C'est bon, comme tout le bleu qu'il y a dans le ciel. Soigner les bêtes comme il faut. J'ai rempli les clous de paille, j'ai étrié les chevaux, je pense que j'ai rien oublié. À ce temps que c'est fait, je peux vous aider à nettoyer tout ça? Vous avez pas couché ici pour passer la journée d'aujourd'hui à faire du ménage? C'est bien assez que vous avez du mal à dormir au grenier. Quand je me suis allongé, j'ai même pas eu le temps de compter les étoiles. Tout s'est éteint dans ma tête en même temps. C'est un beau réveillon. J'ai pas souvenance d'en avoir vécu un aussi plaisant. Si je demandais commentaire à sa mec là-dessus, je doute pas qu'elle serait de mon avis. Pour savoir son opinion, va falloir attendre un peu. Elle s'est pourtant réveillée en même temps que moi. Je pensais même qu'en revenant des bâtiments, je la retrouverais ici dans la cuisine en train de nettoyer la table. C'est ce qu'elle voulait faire, sauf que Samuel lui a proposé d'aller au lac Sauvage rejoindre là Benjamin puis Eugénie. Puis ça a pas pris goût de tinette qu'ils sont partis tous les deux. Ah, ils sont jeunes. Passer Noël dans le bois entouré de belles neiges blanches. Ça n'a rien de mal avenant. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. C'est quelque chose que je ferais n'importe quand. Non, je parlais pas de la randonnée dans le bois, mais par rapport à ma fille. Je voudrais pas qu'elle amène du trouble chez vous. Mais pourquoi vous dites ça? Ben, je trouve que hier soir, ça sautait pas mal aux yeux. Par devers Samuel et puis Philippe Beauchemin.
Ma fille laisse ni l'un ni l'autre indifférent, je pense. L'important, c'est pas tellement ça. Ça dépend plutôt de comment votre fille s'arrange avec. Pour ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que ses affinités vont davantage vers Benjamin. Ben, ils travaillent quasiment tous les jours ensemble, c'est normal. Hein? On s'est couché aux petites heures du matin. J'ai déjà debout, t'es en train de vernousser dans la vaisselle. Tu devrais retourner te coucher. T'as l'air encore plus aplati que ce qui reste de mes galettes au sarrasin. Ah non, je m'occupe des biberons. Voilà, bon matin. Salut. Bon matin, c'est à mon tour de m'en occuper. Mon rôle de marraine des jumelles, je tiens à remplir parfaitement. Bon, ben dans ce cas-là, moi, je reviens d'abord bout pour bout, puis je reprends en place sur ma paillage jusqu'à midi. Bonne matinée, pareil. T'as pas dû dormir à ton aise sur le divan? Ah, j'ai dormi comme un petit ange avec ses ailes toutes repliées. Je me souviens même pas d'avoir rêvé. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être chez nous. Allô? Mais non, ne dérangez pas. Victorienne est à côté de moi. Je vous la passe. Je pense que tu sais déjà qui c'est. C'est sûrement Marie-Victor. Juste lui pour appeler de bonne heure demain. Allô? Il n'y a pas de dérangé. Je voulais juste savoir comment tu avais passé la nuit. Mais tu comprends, c'est la première fois qu'on découche l'un de l'autre depuis une sacrée mèche de temps. Mais non, m'ennuie pas déjà de toi. Laisse-moi un petit peu de temps quand même. Et quand tu seras fatigué de jouer à Morin, appelle-moi chez le beau-père. M'a resté ici, les deux pieds comme vissés dans le ciment. C'est ça. Je t'embrasse, Victoria. Salut, le beau-frère. Je te répondrai tout à l'heure, là. J'ai encore les yeux dans la graisse de rôti. T'as dansé toute la nuit avec une jeune poulette pas sauvage, pas en toute, malgré qu'elle fasse partie de la confédération de ceux qu'on opprime. Tu te mêlais pas de nos affaires privées avant? C'est quoi le changement? Avant, j'étais témoin de Jéhovah. De faire semblant de pas m'apercevoir de l'esbaudissement du monde, ça faisait partie de ma religion. À cette heure que tu t'es recyclé dans les anges, ça te permet d'enquiquiner tout le monde, même le jour de Noël. C'est quoi que le grand gourou que j'ai devant moi pourrait bien me dire sur Samek? Ah, c'est effrayant comme je suis curieux d'entendre ça. Ma simple constatation, c'est que tu joues avec le feu pour rien. Ah oui. Explique-moi donc ça, juste pour voir. Ah. Avec le réveillon hier soir, j'ai bérubé. Les vieilles chicanes m'ont eu l'air d'être enterrées pour de bon. Mais en agoussant sa mec comme tu le fais, quand tu sais que Samuel Bérubé a toute la corporation crinquée pour elle, me semble que c'est ce qu'on appelle mettre de la gravelle dans la machine. En plus, je vois pas bien gros ce que tu pourrais retirer de ça. Pour un ex-pédaleur de vieux chaudron, laisse-moi dire que tu t'avances sur un terrain par devers lequel tu connais pas grand-chose. Acheter des gugus, c'est moins simplette que tu penses. Pour mettre la main dessus, il faut d'abord que tu rentres dans la maison. Puis une fois que c'est fait, ben, t'as besoin de jouer du violon sur les bonnes cordes si tu veux que le monde te laisse inspecter la maison de la cave au grenier. Puis quand t'as repéré les cossins qui t'intéressent, ben, reste à convaincre le monde que même si c'est du butin qui vaut bien cher à ses yeux, tu peux pas donner la lune pour. Ben, négocier dans ce temps-là, ça prend quelqu'un que les bearings ils tournent vite dans la tête. Ça prend aussi quelqu'un qui est pas un deux de pique pour tout ce qui se passe autour de la cabine. Ouais. Grillé comme t'es, c'est donc dire que t'as pas quitté la brocante pour t'avancer sur le chemin de la sainteté avec ton espèce de zoo spirituel. Ouais. Tout ce que je peux en dire, c'est que ça a contribué à la guérison de Victorienne. Aujourd'hui, Victorienne ne frotte plus. Puis son stickage sur le beau-père, c'est passé date. Que s'ajoute à ça quelques dédommagements pour moi. Je vois pas qui devrait s'en plaindre, ni pourquoi. Mais ça change rien par rapport à ce que je t'ai dit sur sa mec. Faire du trouble pour en retirer des avantages, c'est une chose. Mais fouetter la bête à grand queue juste pour chatouiller sa libido, pas de job, ce que c'est que ça pourrait donner à personne. Toi, tu m'as l'air de quelqu'un qui a de nouveaux intérêts à protéger. Hier soir, là, t'as pas arrêté de faire des courbettes devant Léonie Pérubé puis devant Samuel. Moi, je serais bien curieux de savoir pourquoi. Si je te disais qu'il y a fondamentalement pas de raison... Hey, prends-moi pas pour un codin, tu te plumes à l'intérieur du ciboulot puis réponds à mes questions. Tu visais quoi avec tes galipettes de Saint-Jean-de-Dieu? On va dire que la cuisine reluit en masse de même. Mais le salon, lui, est pas mal en désordre. Je
demande pas mieux que de le mettre d'équerre. Je savais qu'elle s'en retourne. Elle viendra peut-être même pas à part de ça. Je serais la première étonnée si ça devait arriver. Assieds-toi que je te donne à manger. On a pris ma chambre pour un garde-manger hier. J'ai clignoté plein de cochonneries. J'aurais quelque chose d'autre à te dire aussi. Si c'est pas long, c'est correct. En fait, je te dis tout simplement merci pour la belle journée. Déjà. J'ai pas besoin qu'on me remercie pour ça. Pour une fois, je voulais que Charles soit content de moi. Ben, je te le disais jamais quand c'était le cas. Hier, c'était pas pareil. En tout cas, moi, je te dis merci pareil, Lévi. Il y a juste Béline qui m'appelle demain. Pour tout le reste du monde, c'est Bouska. Salut, Fanny! Salut, champion! T'es plus censé me dire ça? Oh, je m'excuse. J'avais oublié. Allô? Salut, Charles. Tu viens pas avec nous autres? Non, je préfère que vous soyez ensemble. Il va falloir que tu me passes les clés de la beurrée fromagerie. Sinon, Fanny pourra pas voir que t'es devenu capitaliste. C'est important que ça, que ça rende compte. Oui. Léonie puis moi, on descend à Trois Pistoles l'après-midi. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut à Saint-Paul-la-Croix. Merci, Charles. Salut. Salut. Je vais aller voir les jumelles. Laisse donc Victorienne les catichés à son goût. Non, je veux juste me rendre compte si tout est correct. Plus père poule que ça, tu ponds les œufs toi-même. Y a pas un peu de bonheur pour courir le billet doux? Parce que si c'est le cas, me semble que ça fait un brin sauvage. Contrairement à toi, moi, j'ai pas toujours un plan de nec dans le derrière de la tête. Si tu fais encore allusion au fait que Léonie Bérubé m'a compensé pour l'achat de mes terres à bois, ben, je vois toujours pas en quoi ça te regarde. C'est même quelque chose que tu saurais même pas si t'avais pas écorniflé par la porte du salon quand j'en discutais avec la seule autre personne que ça concerne, en dehors de moi. Ben, pour la discrétion, là, t'avais choisi ni la bonne place, ni le bon moment. N'importe qui passait devant la porte, là, vous aurez entendu combiner autant que moi. Elle avait pas de combine pantoute dans notre affaire. Hey, avec tout ce que tu me racontais sur l'art d'enfirouer le monde, quand tu lui achetais les anticorreries, chatouille-moi, je vais rire. Parce que si Léonie a accepté de te dédommager comme tu le prétends, c'est sûrement en échange d'un petit service de ta part. Il s'agit de quoi? Elle m'a rien demandé en échange de la compensation que j'ai obtenue. Faut croire que le fait d'accoucher dans la maison chez nous, il a ouvert les yeux par rapport à quelque chose qui n'était pas équitable pantoute. Oui, oui, aucun mystère là-dedans. Hein? Profite donc du fait que t'es dans la maison pour en parler à tes anges gardiens. Eux autres, j'ai l'impression qu'ils chanteraient une autre chanson. Toujours mettre en doute ma bonne foi. Comme si tout le temps était rien qu'une question de bargain. Saint-Aurore hier soir. Ils ont un doigt trop gros pour composer bon numéro. Si j'avais la moralité aussi basse comme certains me l'imaginaient, j'aurais sûrement moyen de trouver ici dedans quelques billets du Dominion, version grosse coupure. Hein? C'est une petite porte en métal avec derrière un beau petit tas de liasses qui ne demanderait pas mieux que quelqu'un les blanchisse. Hein? Allô? Non, c'est pas Antoine Beauchemin qui parle, mais qu'est-ce que ça peut faire? La prochaine fois, je saurais bien comment m'y prendre pour me faire couper. Ça m'aurait surpris que le beau-père fume ça. La Jarnie-Gwen, il donne déjà assez de troupe de même. Victorienne m'avait laissé manœuvrer à mon goût quand on s'est marié. Musée d'automobile sera à moi aujourd'hui. Et la moitié de la quincaillerie. Ouf.
J'aurais aussi deux pieds bien plantés sur ce bureau-là. Ça serait pas seulement au figuré comme aujourd'hui. Bien évidemment que non. J'aurais dû continuer. Pour ma part, je trouvais le tableau plutôt confortant. On t'a pas entendu arriver. T'as rien fait pour qu'on t'entende aussi. J'ai pourtant agi comme à mon habitude quand j'y ai. J'ai poussé la porte puis je suis entré. Pour le reste, je me suis laissé conduire par la musique. Tu joues de mieux en mieux. On dirait que dans chaque note, il y a comme une émotion particulière qui s'exprime. Quand t'auras cessé ton baratin, tu pourrais peut-être me dire pourquoi t'es survenu de même comme un cheveu sur la soupe. Si je répondais en toute simplicité que je m'ennuyais chez nous, ça te suffirait. T'avais pourtant la mère de Bouscotte avec toi. Ce que je trouve plutôt curieux, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu comprends pas encore? Rien d'autre que qu'elle soit allée chez vous plutôt qu'à l'hôtel, mettons. Y a pas de mystère là-dedans. C'est pas parce que Fanny est l'ex-femme de Charles que ça y interdit de choisir ses amitiés. Puis à part ça, si Fanny s'est rendue chez les Bérubé hier puis que les choses se sont passées sans accrochage nulle part, je pense y avoir contribué pour la peine. Tu pourrais admettre au moins ça. T'es trop coulant par les temps qui causent comme pas normal, hein? Tu me demandes toujours à moi de justifier ma sincérité. Mais ta sincérité, à toi, dans question amérindienne, c'est aussi pur que tu le prétends. Je pensais pas qu'il y avait un caucus de prévu. Mais pour aujourd'hui, là, je pense qu'on pourrait s'en passer tout le monde. On faisait rien d'autre que de parler pour parler. Merci bien pour la jasette. Celle que j'ai eue avec Marie-Victor va me suffire pour un bon moment. Puis tu t'es pas chicané avec lui, toujours? S'il est parti les oreilles dans le crin pour y rejoindre Victorienne à Saint-Jean de Dieu. Avec le déjeuner qu'il a pris, le Marie-Victor devait se sentir trop pesant pour seulement marcher jusqu'à son pick-up. Tu l'as laissé tout seul chez nous? Ben, j'étais quand même pas pour l'apporter avec moi. Non, je vais aller faire avec toi à la maison. Puis en venant, je vais en profiter pour acheter les quelques babioles qui manquent. Oui, j'ai la liste dans la cuisine. Antoine va avoir tellement de polychinelles cachées partout que même malgré moi, je le comprends de ne pas laisser Marie-Victor s'épivarder dans ses affaires. Aujourd'hui, Marie-Victor doit sûrement avoir la tête ailleurs. Non. Pour quelle raison? Pas mal rouillé, je pense. J'ai pas touché un clavier depuis des années, ni chanté non plus. Non, oh, c'était plein de chaleur quand tu jouais puis que tu chantais. Mais pendant ce temps-là, le ménage avance pas pour la peine. Hmm. Les débris qui est ici dedans peuvent attendre encore un peu. Je suis bien d'accord avec ça. Une dernière, je veux bien. Mais après? Après, on fera ce qu'il faut faire. Ne me ferai pas prendre au dépourvu, crains pas. Moi, le savoir ce que t'as dans le ventre. Antoine Beauchemin, l'appareil. Ça donne quoi de téléphoner si vous parlez pas? Bon, j'écoute. Oh, pas si vite! Ah, j'aurais mis le feu à ma main que je trouverais ici en train d'écornifler dans mes affaires. C'est pas pantoute ce que vous pensez, le beau-père. Cigare-là est pas sorti tout seul du tiroir de mon bureau, comme il s'est pas fumé tout seul non plus. C'est un addon pour le cigare. C'est pas parce que je voulais me montrer mal à main. Tu vois la porte, là? Mais prends l'addon! Avant que les cinq frères de la même démangent trop! Il y a plus de malentendu entre nous autres deux, beau-père. Puis comme je suis d'équerre pour que ça reste de même, je tiens à vous expliquer ce qui se passe. Fend de l'air, c'est déjà une explication à soi. J'étais en train de laver de la vaisselle dans la cuisine quand le téléphone a sonné. Ben, j'ai d'abord pas répondu, mais il a ressonné.
Fait que j'ai pensé qu'il y avait peut-être une urgence quelque part. Fait que je suis venu pour voir ce que c'était. Alors, regarde, j'ai-tu des poignées dans le dos, là? C'est comme vous voulez, le beau-pire. Mais vous allez vous priver d'une information importante sur la quincaillerie, par exemple. Qu'est-ce que tu radotes, là? Le gars au téléphone, il disait que ça va mal avec le ministère du Revenu, et c'est parce que quelqu'un de proche de la quincaillerie vous aurait dénoncé. D'une manière de délateur, c'est bien compris. Un délateur, puis proche de la quincaillerie pour de ça. Où tu penses qu'on vit, toi, là? Un film de science-fiction? Ben, le gars au téléphone avait l'air mauditement bien informé, en tout cas. Hey, moi, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, là. Fait que profitez-en pour aller rejoindre Victorienne à Saint-Jean-de-Dieu. Je vais le faire, le beau-pire. Avec discrétion, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, bien évidemment. C'est plus donc bien, cette affaire-là. C'est à quoi que les birubis ont mis de l'écorce de cèdre dedans? Ah. Allô? Moi, lui-même, j'écoute. C'est fait pour tantôt, là, puis dites donc plutôt ce que vous voulez. Fais partir tranquille. Je ne laisserai pas toute seule, même pas pour une minute. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Ça fait chaud au cœur de te voir heureuse comme ça. C'est à vous deux que je le dois. Quand vous m'avez demandé d'être la marraine des jumelles, ça a été pour moi comme si le ciel s'ouvrait grand tout d'un coup. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Quand papa m'a embrassée, c'est comme si la mésentente qu'il y avait entre lui puis moi, ça en allait comme par magie. M'excuse, j'avais dit que j'en parlerais plus. Non, on n'est pas une minute près pour ça rentre chez Millie. Je suggère quand même qu'on s'en aille. Il y a quelques bolets d'air dont je me suis privée depuis une semaine. Yeah. Bonne soirée. Bonne soirée, les filles. Vous allez bien. Merci encore. Explique à mettre ça sur la galerie. La porte ouvre tout le temps, les jumelles risquent de prendre froid. Ben, si je mets le sac hors à la porte, ça devrait pas causer nuisance pour le moment. Tu peux t'asseoir? Oh, je suis bien, même. Faites-tu qu'à fond? Quand j'étais enceinte, j'essayais d'imaginer comment ça pouvait être. Mais c'était difficile parce que j'avais pas de référence pour le savoir. Je pense qu'avant la semaine passée, j'avais jamais vraiment tenu un bébé dans mes bras. J'en aurais eu un, d'ailleurs, que j'aurais pas osé le faire. Ça m'aurait rendu trop nerveuse. Maintenant qu'on en a fini avec le ménage, je serais pas contre l'idée de me retrouver encore avec vos salons devant le piano, par exemple, pour une petite chanson ou un petit air du temps des fêtes. Ça serait pas trop délassant. Vous l'avez vu tantôt jusqu'à quel point je souriais. Les notes étaient fausses, puis c'était pareil pour ma voix. C'est drôle, j'ai pas remarqué ça pantoute. Si c'est parce que vous voulez vous faire prier, j'ai pas d'objection à tenter ma chance. Wachinotouk. Chikitmun opatanaposekuk. Naka. Petamehon. Ktakamekuk. Wachidabu. Notouk atlantuk. Ça veut dire quoi? Pour l'entendre, je laisserai ma bouche dans un arbre pour redescendre à terre et l'écouter chanter. Je peux refuser maintenant. C'est aussi mon avis. Allô? Ben non, Philippe. Ben, si vous avez une question à poser, faites-le. Je vais y répondre du mieux que je peux. C'est quoi que vous voulez savoir? Ouais, ben en fait, j'aurais aimé ça par la SAMEC. Si vous voulez me la passer. Ah ouais? Ben... Hier soir, il n'y a personne qui a parlé de ça. Bon, on avait plutôt dit qu'on se retrouvait quelque part dans la journée chez Charlot. Oh non, c'est pas grave, là, je me reprendrai plus tard, c'est tout. Ouais. Pour quelqu'un qui prétendait avoir mis sa vie sentimentale entre parenthèses jusqu'au soir de l'élection. Quand je voudrais l'heure, je t'en demanderai. T'aurais bien trop peur que ça sonne juste. En quoi ça te regarde de toute façon? Ça me regarde pour ce que j'ai déjà dit là-dessus. Samuel Bérubé court après sa mec qui elle-même court après Benjamin. Il n'y a donc pas grand-chose de bon à attendre d'un troisième larron qui s'en mêlerait. Tes pulsions, garde-les donc pour quand tu seras au Parlement. Séduire une députée ou ben non une ministre serait autrement plus profitable qu'une réchappée de l'enfer amérindien qui risque de mêler les cartes plutôt qu'autre chose. Entendre ça de quelqu'un qui passe son temps à m'accuser d'être arriviste.
Des fois, là, avec toi, ce serait une bénédiction que d'être ça. Malade qui en meurt, puis dans sa peau, mourra le crapote. Je me serais jamais douté que votre projet était aussi important. Si je lis gamin les points à ma lettre, le monde n'a pas fini d'être surpris. Qu'elle vienne à Saint-Paul-de-la-Croix pour l'expérience que vous allez faire, ce serait pas quelque chose d'ordinaire, c'est sûr. Pourquoi elle viendrait pas? J'en doute pas plus que toi. Mais pour quelqu'un qui travaille tous les jours à la NASA, ça doit pas être facile de prendre congé. Je te souhaite sincèrement que ça arrive, par exemple. Marcher jusque sa montagne, ça cause d'appétit. Ben d'accord. J'ai une bonne fringale, moi aussi. C'est quand même dommage pour ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec tout le travail que vous avez mis pour votre projet, il me semble que ça aurait pris quelque chose de plus spectaculaire. Mandeline, Marcelin, Xavier puis moi, c'est ce qu'on voulait aussi. Mais partons s'informer, il n'y avait rien de plus gros. Demain, je vais me retrouver à Montréal. Je pense que ce serait possible pour moi de te magasiner ça. Mais je me demande bien ce que tu pourrais faire de plus que nous autres. On a passé là-dessus des heures au téléphone. On sait jamais. En tout cas, si au moins tu me fais confiance pour ça. Le reste, on en a parlé hier. J'allais pas revenir là-dessus non plus. Ça va tout refroidir là-dedans. Je sais que t'aimes pas ça, les hot dogs, mais je connais quelqu'un qui est obligé d'en manger tout le temps. Pourquoi c'est le même? Parce que cette personne-là vit dans une famille pauvre, puis qui est pareil comme une orpheline. Pareil comme? Ça veut dire quoi, au juste? C'est le meilleur hot dog que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Surtout un jour de Noël. Même si tu veux pas, je t'embrasse dans ma tête, Bouscotte. Même si tu veux pas aussi, je le dis. Merci d'être le champion. Mina, tu nous avais invités pour prendre un vin, pas pour un grand dîner. Tu devrais savoir qu'à complicité donnée, on regarde pas la bride. Excuse-moi, je t'ai trouvé un brin nébuleux le jour de Noël. Puis toi, on dirait que t'as perdu un pain de ta fournée quelque part. C'est la question amérindienne qui travaille Philippe, surtout là où le dos personne. Toi, là, si t'arrêtes pas de masticoter avec tes stupidités, je décabane drette là. Comme si tu te privais d'en dire à mon égard. Savez-vous de quoi vous avez l'air? De deux grippettes en ravaude. Faut bien que Philippe se prépare pour quand il va siéger à l'Assemblée nationale. C'est vrai que plus souvent qu'autrement, ça vole plutôt bas là-dedans. Oui. Bon, je suggère que pour le reste de la journée, là, on oublie le Parlement de Québec, les élections complémentaires, puis qu'un, la politique en général. Si le fait d'assumer ta double paternité t'autorise à décrocher de tout le reste, là, oh, moi... Oh, pas question que ça reparte de l'autre bord de même, puis tout croche. On va se contenter de passer au salon pour prendre l'apéritif. Mais si M. Beauchemin a entendu ce qui se disait ici... Ah non, non, Antoine n'est pas encore arrivé. En fait, il était ici tantôt, mais comme Marie-Victor se retrouvait toute seule à la maison, il a préféré aller faire un tour rue Notre-Dame. Quand tu ne fies plus à personne, c'est ce qui arrive. Oh. Et tu finis par avoir peu même de ton nom. Je vais y téléphoner. J'ai essayé autant comme autant depuis tantôt sans résultat. Bon, ben le plus simple, c'est que j'aille voir ce qui se passe. Là, je vais nettoyer. Pas d'objection. Oh, c'est très beau. On revient dessus. OK. Ouais. Si tout le monde continue à déguerpir de même, on va finir par avoir un party de Noël plutôt mince souillé. Peut-être, mais on n'est plus rien pour le moment. Viens-tu? Avant, je peux te poser une question? Pourquoi t'as accordé à Marie-Victor le dédommagement qui te réclamait? Quand j'ai acheté les terres à bois de Marie-Victor, on s'est trompé en notre faveur pour le mesurage du piétage. C'est donc équitable pour moi de compenser Marie-Victor. Ça fera pas une grande différence des profits que je vais réaliser avec toutes les bio qui vont sortir de chez eux. Ma réponse te satisfait? Je pourrais pas l'être davantage. Avant, c'était facile pour moi de réfléchir là-dessus parce qu'une fois la construction de la maison de Kakuna terminée, j'aurais pacté ma besace et puis repris la route pour je sais pas où. Depuis 20 ans, c'est ce que j'ai toujours fait.
Avant, il y avait aussi que sa mec me suivait partout. Mais là, je risque de me retrouver tout seul avec mon baluchon. Vous n'êtes pas obligé de partir si ça vous tente pas. Faut bien que je travaille, quelque part. On peut pas dire que dans la région, c'est en ébullition pour la construction. On rêve à de grands projets pour la réserve de Whitworth. Si on y bâtit le centre de plein air dont on parle dans les journaux, me semble que l'ouvrage devrait pas manquer. Il n'y a rien de véritablement définitif là-dedans. Non, puis à part de ça, il y a bien des questions que je me pose. Sur sa mec, d'abord. J'ai l'impression que il s'agit des mêmes que pour vous. Vous avez peur que ce soit attaché bien plus qu'on pense à Benjamin? Il y a ça, bien sûr, oui. Mais il y a aussi Samuel, dont les sentiments par-devers ma fille me paraissent plutôt clairs. Je voudrais pas que ça cause mésentente entre Benjamin et Samuel. Je voudrais pas non plus que la même chose arrive entre vos enfants et Philippe Beauchemin. Je pense pas que dans son cas, ça soit bien sérieux. Si Philippe est élu puis il se retrouve à Québec, il y a des chances qu'il oublie sa mec plutôt rapidement. Mettons que ça arrive comme vous le pensez. Ça réglera pas pour autant ce qui pourrait arriver entre ma fille, Benjamin puis Samuel. Ça serait bien du trouble que vous méritez pas. Quelque part en moi, je me sentirais même responsable. Vous avez eu bien suffisamment... Tant qu'on l'a pas dans ses bras, on s'imagine pas qu'un bébé est aussi peu pesant. Hein? C'est aussi léger qu'un petit ange dans le ciel. Je vais m'en occuper si ça vous fait rien. Ah, je me fatiguerais pas pour un tout de la garder avec moi. En tout cas, jusqu'à ce que Victorienne arrive avec Brunan. Ah, elle aime ça, Cassini. C'en est, pour ainsi dire, effrayant. Hier soir, vous avez eu l'air l'aimer pas mal, mon histoire, c'est nain. Ben, j'en ai un autre. T'es pas piqué des vers non plus, c'est malécite. Hey, tu m'avais promis que tu le ferais pas, Marie-Victor. Ah, ben, c'était juste en attendant que t'arrives. Mais si je me zippe le moche-patate, t'as charge de revanche, par exemple. Bon, ben, nous autres, faudrait peut-être penser à s'en retourner au bic. Ah, oh, j'ai promis à Léonie de pas laisser les jumelles toute seule tant qu'elle serait pas revenue. Je suis là. Je vais en prendre soin, pas de crainte. On n'est pas si pressé que ça non plus. Hein? Ben, j'aime autant pas laisser M. Saint-Jean et Mme Lévesque trop longtemps tout seul. Sinon, on risque d'avoir pas mal de pots cassés à ramasser. Mm-hmm. Quand ils sont tout seuls, tous les deux, on sait jamais ce qui va nous tomber sur la tête. Tiens, donne Brunante à M. Tamas, là. Certain qu'il aimerait ça l'avoir dans ses bras, lui-ci. Hein? J'aimerais ça la garder avec moi au moins jusque dans la cuisine. Ça devrait pas me poser problème. Mais j'aurais autre chose à vous demander. Mm-hmm. Quand je vais avoir le goût de venir m'occuper des jumelles... T'es leur marraine. Tu peux donc venir aussi souvent que tu veux. Merci. Quand bien même tu resteras assis là tout le reste de la journée, là, ça va donner quoi, tu penses? Un gars, ça brosse, qui fait une farce, ça me paraît pas crédible plus qu'il faut. Quelqu'un qui est sur le party peut faire ça juste pour s'amuser, mais il rappellera pas à tous les demi-heures. Hein? Ouais. Qui pourrait bien avoir de l'intérêt à nous apprendre que l'impôt a fait enquête sur la quincaillerie parce qu'une lettre anonyme lui a mis la puce à l'oreille? Puis pour celui qui l'a écrit, la lettre, quel intérêt aussi? J'en connais quelques-uns qui pourraient trouver le profit. Alors, tu fais allusion à l'ancien comptable de la quincaillerie. Gervais Morneau doit être assez content de s'en être tiré sans se retrouver en prison que je le vois mal courir après le moindre petit risque. Il n'y a pas seulement Gervais Morneau. Il y en a d'autres puis qui vivent pas loin d'ici, à part de ça. Si tu fais allusion à Manny, là, je peux tout de suite... Bon, t'arrêter. Si vous avez dessein de supposer tout le reste de l'après-midi, là, moi, je suis pas intéressé. Milna s'est donné assez de mal pour bien nous accueillir chez elle. On devrait respecter au moins ça. Le répondeur, là, il est branché sur le téléphone. Là. Si ça rappelle, tu vas le savoir, de toute façon. Allez, je peux même rester ici t'attendre, si tu veux. Faut qu'il n'y ait plus rien sur la cassette quand je vais revenir, merci bien. T'es-tu en train de me dire que s'il y avait des messages, je les effacerais? Ah, ben, si c'est le même, moi, j'aime autant aller voir dehors si je suis là. Tiens, ouais! C'est quoi, là, l'idée de toujours mettre les choses au pied quand on sait même pas ce qui se passe vraiment? Bien évidemment que c'est discutable. Mais il n'y a jamais de feu sans boucan. Surtout qu'un intriguant comme Manu Barancy. Oh, que personne ne veuille s'en rendre compte, ça change rien là-dedans. Maudite merde. La famille. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas passé d'une invention pareille? Bon, est-ce que tu t'en viens-tu, là? Oui. Si vous n'avez pas encore fini de manger, prenez votre temps. Inquiétez-vous pas pour les jumelles, sont avec nous autres dans la cuisine, en train de dormir comme des anges. Oui, Fanny puis Lévi sont venus de Saint-Paul-de-la-Croix. Attends une minute, je te la passe. Charles voudrait vous parler.
Bonjour, Charles. Je pense que ni Bouscott ni moi, on pourrait se plaindre des images dans lesquelles on a voyagé. Je voudrais bien, mais à cause de ce qu'on a pensé, Bouscott puis moi, il faut que je reparte pour Montréal aujourd'hui. Non, je peux vraiment pas attendre. On annonce une tempête pour la fin de la journée. Ben, quelques minutes en passant, je dis pas non. À tantôt, Charles. Charles voudrait que j'aille le saluer chez Mélina. Je t'accompagne. Je m'habille tout de suite. On n'a pas eu l'occasion de se parler beaucoup, mais je me sens comme privilégiée d'avoir fait votre connaissance. So kiptin and tipin. So kiptin and tipin walum. Machaiwe upun. Ce que Thomas dit, c'est que si on sait bien se serrer la main, l'hiver partira de lui-même. Quand vous voudrez revenir, la porte de ma maison sera toujours ouverte. J'étais si jeune quand ma grand-mère est morte que j'ai pas gardé de souvenir d'elle. Mais maintenant, je sais quelles images vont me venir quand je vais penser à elle. Merci pour toute la chaleur que j'ai trouvée ici. Je vous souhaite une année pleine de joie. À vous aussi, Fanny. Hier soir, il y avait trop de monde pour que la demande que je voulais vous faire puisse vraiment avoir du sens. Peut-être qu'on est toujours hier soir, puis qu'il vaudrait mieux... Mais j'ai mal choisi mon mot. J'aurais pas dû parler de demande, mais de désir. J'aimerais tout simplement qu'on danse ensemble. Comme ça. Pour la chaleur qu'il y a dans le plaisir. Mais seulement si vous voulez, bien entendu. T'es plein toute la semaine parce que je restais dans la chambre à fleur néolite. Puis on est pas aussitôt rentré à la maison que t'en fais autant toi-même. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, par exemple. T'es pas malade toujours? Oui, malade. Je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Viens t'allonger à côté de moi. Tu sauras après. Mais. T'sais quoi qui marche pas d'abord? Rien, pantoute. Je me considère comme le plus heureux des hommes. Tout le temps qu'on a été chez Bérubé, hein, c'est beau de te voir aller avec les jumelles. T'étais pareil à un ange gardien au-dessus d'elle. On aurait dit que toutes les dominations étaient avec toi en train de virevolter dans les airs. Je sais pas, c'est parce que j'avais l'impression d'être une femme avec le corps tout plein. Tout plein d'amour. C'est juste ce mot-là qui convient. Tout plein d'amour. Moi aussi, j'avais le même sentiment. Faut dire qu'avec les bérubés, c'est moins compliqué de parlementer qu'avec le beau pire. Tu dis ça parce que Léonie t'a dédommagé pour tes terres en bois. Combien t'as obtenu? Ouais, j'ai pas regardé, vraiment. J'attendais qu'on soit tous les deux ensemble pour le faire. Regarde. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent-là? Hey, pour les pèlerinages qu'on va organiser au printemps, il manquait le cash pour acheter l'autobus. Là, j'aurais pu accourir après Pierre-Jean-Jacques pour que notre projet prenne vraiment la route. Grâce à toi, Victorienne. Te rends-tu compte? Deux enfants nés chez nous apportent le plus grand bonheur qu'on pourrait imaginer. Pour moi... C'est un Noël comme j'en ai jamais vécu. Jamais. Quand on est de mauvaise foi comme toi, on fête pas Noël avec le monde. On reste enfermé chez soi avec sa paranoïa.
Hey, Toboucha, tu pries pas toi-même d'agousser le monde? À commencer par moi? Hein? Si c'est correct quand c'est toi qui tiens le bas de la pôle, pourquoi ce serait répréhensible aussitôt que je passe le fouette? Pour tes problèmes avec le ministère du Revenu, tu viens à toute fin pratique de m'accuser d'être mêlé à ça. C'est pas pantoute ce que j'ai dit. Hein? J'ai simplement avancé qu'étant donné que t'es toujours au courant avant tout le monde de tout ce qui se passe, t'avais peut-être des informations dont personne ici autour de la table est au courant. Quel renseignement je pourrais bien avoir eu sa quincaillerie que toi-même t'aurais pas? Ma job, c'est pas de gérer ta business, c'est de faire élire Philippe pour le Parti des régions. Le reste, je m'en brosse les dents avec. Mettons que mon propos pouvait porter interprétation. C'était une accusation en bonne et due forme. Indigne de quelqu'un qui, comme toi, se pique depuis quelque temps d'avoir arrêté de semer la zizanie. Je te préviens, Antoine. Bon, pourquoi on se contente pas de faire honneur à tout ce que Mélina a préparé, là? Si tu tiens à des excuses, considère que je viens de les faire. Tu peux fabriquer des clous à tête carrée, si tu veux, avec tes excuses. Moi, j'en ai rien à foutre avec. Bon. Ouais, si tu veux, on s'en retourne à Saint-Jean-de-Dieu. Ça serait pas d'avance pour Fanny puis Bouscotte. Mais c'est toi-même qui disais qu'il fallait faire honneur au pas de Mélina. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'y revenir maintenant. Je le répète donc avec plaisir. Bon appétit. Ouais. Bon appétit. Avec la tête que t'as en plein après-midi de Noël de même, tu devrais aller t'asseoir là-bas pour le coup que tu finirais par avoir besoin d'une infirmière. Ils ont l'air assez poqués de même que les patients du centre hospitalier sont mieux de pas avoir de crise quand le chiffre des préposés va changer. Mais toi, comment ça se fait que tu fêtes pas? Parce que rien n'a fêté. Pourtant, les nouvelles m'ont paru plutôt bonnes là-dedans. Ah, et si tu savais où je mets mes sondages aujourd'hui? Je vais prendre la même chose, oui. On pensait que tu viendrais au centre hospitalier pour une assemblée de cuisine. Pff, les assemblées de cuisine. Tu savais ce que j'en pense? Excuse-moi. J'avais la tête ailleurs. Pas déjà au Parlement de Québec, toujours? Hein? Faut pas marcher sur la peau de l'ours avant de l'avoir séduit. Ça veut dire quoi? N'importe quand, la semaine prochaine, je suis disponible. On pourrait planifier ça tout de suite. En ce coin les plumes, il me semble que je serais pas con. Hey! La vraie musique, me semble que ça serait pas déplacé. Je t'arrange ça d'être là. Ouais. J'aime mieux le galipotage de souche que la question amérindienne. André Martini, s'il te plaît. Oui. Une belle journée de Noël, tout compte fait, avec la promesse d'une brillante nouvelle année. Que c'est que quelqu'un comme moi pourrait bien demander de plus? Certaines personnes désirent que l'intimité de leur vie privée le demeure, alors que d'autres font tout pour la dévoiler. Les webcams, le sujet d'enjeu, tout de suite après la pause.